voilà qui va plaire à Hérodote. Quelqu'un a clairement séjourné ici bien avant nous. Je me demande si Léonidas connaissait cet endroit. Il faut qu'on parle. Tu es facile à trouver. Tu m'as suivi. Tout va bien? Oh, Alexios, tu es vivant? Ne me touche pas. Allons, petit frère. Tu vas devoir tout me raconter. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je n'ai absolument rien à te dire. Je ne te connais pas. Mais moi, je te connais. Peu importe, après tout. On doit discuter de choses plus importantes. Oui, bien sûr. Comme de ce que tu as fait avec l'artefact. Ça a attiré mon attention, si c'est ce que tu voulais. Quoi? L'artefact a montré la vérité. Nous sommes frères et sœurs, et nous avons quitté Sparte en vie. Il m'a montré la vérité, oui. Il a confirmé ce que j'ai toujours su. Tu m'as jeté de cette montagne! Si c'est ce que tu crois, Alexios, tu t'es cogné la tête pendant ta chute. Je tiens ce récit de quelqu'un qui n'est pas une menteuse comme toi. Et ne m'appelle pas Alexios. D'accord, Deimos. Mais lui, je ne le connais pas. C'est un demi-dieu. Vénéré et craint par le culte et par tout le monde grec. Ça ressemble surtout à une fable. C'est une autre histoire inventée par le culte. Fais attention à ce que tu dis, ou je me charge de te faire taire. Tu ne l'as pas fait quand tu en avais l'occasion, et je doute que tu le fasses maintenant. Oh, c'est idiot. Nous devons retrouver notre mère. Je ne veux pas de retrouvailles. Je veux seulement savoir ce que tu cherches à faire. La même chose que ton culte. Retrouver Myrine, notre mère. Il n'a pas besoin d'elle. Ce n'est pas l'avis de tes amis. Elle est leur prochaine cible. S'ils la cherchent vraiment, c'est pour la tuer. Mais si tu ignores où elle est, ça veut dire qu'elle t'a abandonné, toi aussi. Quelle tristesse. Malgré cet abandon, on a survécu. Nous pouvons rétablir les liens d'autrefois. Il suffit de la retrouver. Le culte se moque des sensibleries et de la famille. Seul le contrôle l'intéresse. Si le culte nous cherche tous, une de ses cibles a disparu. J'ai tué Nikolaos. Alors oublie tes airs de justicière. En réalité, tu es comme moi. Je me moque de ce que tu penses, et je trouverai Myrine. Fais le bon choix. Viens avec moi. Quoi? Nous pourrions la trouver ensemble. Tu pourrais m'aider. Oh, tu penses que l'amitié résout tout? Qu'on devrait chercher notre mère, comme des enfants perdus? Tu es trop faible. Ce n'est pas de la faiblesse, mais le sens des responsabilités. Je n'abandonnerai pas notre famille par dépit. Responsabilité? Oublie tes illusions. Le culte a un projet, et ne laissera pas des gens comme toi lui barrer la route. Enlever ta propre mère ne lui suffit pas. Ce n'est pas un enlèvement, c'est de la politique. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Et ils paient pour cette erreur. Comme moi. Comme toi. J'ai appris que tu comptais te rendre à Athènes. Annonce à Périclès et aux siens que leur fin approche. Le culte a épargné Myrine, et même Nikolaos. Pourquoi les tuer maintenant? Parce que tu es en vie. Tout ça est ta faute. Le culte est puissant,
mais ses membres sont mortels. Je détiens le sang des dieux. Alors il pense que toi aussi. Mais il va comprendre qu'il a tort. Tu sais que je vais m'attaquer au culte. Tu sais, toi, combien nous sommes puissants. Ce que je peux faire. Crois-tu vraiment avoir la moindre chance? D'après toi. Le courage est un trait de famille, pas vrai? Tu prétends que nous sommes du même sang. Voyons ce que tu sais faire. On s'est quand même retrouvé, mon frère. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Deimos! Oh. Malaka. Hérodote ne va jamais le croire. Il faut que je lui dise ce qui s'est passé. Alors, la légende était vraie? Était-ce magnifique? Que t'est-il arrivé? Et ta lance? Tout doux, Hérodote. Ma lance est plus forte. Je peux le sentir. Tu avais raison. Il y avait un artefact, là-bas. Il m'a présenté une vision. De moi, et de ma mère. Alors, cette civilisation a existé. Cassandra, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu détiens. Enfoui dans la lance de Léonidas. Mais ce n'est pas tout. Deimos m'a suivi là-bas. Le culte est en action, il me l'a dit. Il va s'en prendre à nous. Ma famille, Périclès... Pourquoi te l'annoncer? C'est sûrement un piège. Aucune importance. Nous devons aller à Athènes et avertir Périclès. Et nous devons retrouver ma mère avant le culte. Alors, allons à la Pnyx. Nous serons certains d'y trouver Périclès. À nous le grand lac! Où va-t-on, capitaine? Célèbre Acropole. Un témoignage du talent et de l'intelligence de l'humanité. J'ai peut-être du travail pour toi, si tu te bats aussi bien qu'on le prétend. On t'a parlé de moi? N'en tire aucune gloire. Je suis au fait de tout ce qui se passe dans cette ville, Mystios. Après de telles flatteries, comment pourrais-je refuser quoi que ce soit? Je ne cherche pas à te flatter, je cherche à t'engager. J'aimerais que quelques militaires spartiates disparaissent. Je crois que tu te fais une fausse idée de moi, général. Démosthène. Je ne suis pas une meurtrière, si c'est ce que tu espérais. J'espérais surtout avoir affaire à quelqu'un qu'on paie. J'avais tort? Non, pas complètement. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? D'après mes espions, les Spartiates sont sur le pied de guerre. Je veux que tu les retardes. Entre dans leur fort et tue ceux qui les commandent. Ça me paraît logique. Ravi que tu approuves.
Tu devras m'apporter comme preuve les sceaux des chefs que tu auras tués. Et tu seras grassement payé. Ça ne ressemble pas aux méthodes athéniennes classiques. En effet. Mais mon plan fonctionnera. Et c'est ce qui compte. Les méthodes classiques ont déjà coûté la vie à beaucoup trop d'Athéniens. Les autres généraux s'y opposent, mais je ne les laisserai pas ruiner nos chances. Que voudrait-il faire ? D'honorables batailles rangées. Une opposition brutale et vulgaire de nos forces contre celles des Spartiates. Mais nous n'aurions aucune chance de gagner face à ces sauvages. Par conséquent, nous devons ruser. Acceptes-tu de tuer les chefs de l'armée Spartiate ? D'accord, j'accepte ce travail. Bien. Je n'ai pas l'autorisation de confier cette tâche à nos hommes, mais ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Tu m'en as assez dit. Tu auras tes sceaux, général. Je vous en prie. Ce n'est pas parce que les Spartiates sont devant nos murs que nous devons nous comporter comme eux. Belle récolte. Dommage que les Spartiates l'aient consumé sur pied. Le Parthénon est splendide, Périclès, mais à quel prix ? Combien de trirèmes aurait-on pu construire à la place ? Nous ne devons pas nous diviser ! Nous sommes divisés ! Et Sparte en profite ! Agis, Périclès, ou je le ferai ! Oh, bien, te voilà. C'est pire que je ne l'imaginais. Cléon à la foule avec lui. Nous devons partir, vite ! Où ça ? Voir Périclès. Arrière ! Elle ne vient pas attaquer Périclès. Je vous l'assure. Ah, Hérodote. Ça va. Laissez-les passer. Heureux de te revoir, Périclès. Moi aussi. Et j'aurais préféré que ce soit en d'autres circonstances. Qui est-ce ? Cassandra. Bienvenue, Cassandra. Dis-moi, que t'inspire cette première visite d'Athènes ? Je crois que tu as bien agi. Peut-être. Mais quand les temps deviennent difficiles, les bonnes actions s'oublient vite. Périclès, nous sommes venus pour... Il faut choisir le bon moment. Et nous adresser à lui en privé. Très bien. Nous sommes venus pour... une affaire urgente. Comme tous les autres. J'ai laissé entendre à Cassandra que tu l'inviterais à ton banquet. Tu me demandes d'en exclure les Athéniens et d'y inviter une étrangère ? Tu as entendu le peuple, pourtant. Il ne manque pas de raison de me trahir. Si elle travaille pour toi, les yeux indiscrets la prendront pour une servante. Je ne suis la servante de personne. Cassandra, nous sommes à Athènes. Pour obtenir quelque chose, il faut parfois jouer un rôle. Et que cherches-tu à obtenir au juste ? Je cherche une femme qui compte beaucoup pour moi. D'après Hérodote, un banquet est parfait pour recueillir des informations. Il a raison. Je peux t'y faire admettre. Mais j'ignore si tu y trouveras les informations que tu cherches. Alors dis-moi ce que je dois faire. Commence
par aller voir mon collègue, Métiochos. Je devais me retrouver aujourd'hui et il n'est pas homme à manquer un rendez-vous. D'accord. Et mon ami Phidias doit quitter Athènes le plus vite possible. Bien, autre chose ? Oui, un vote portant sur un ostracisme pourrait bénéficier de ton influence. Phidias, le sculpteur célèbre ? Qu'est-ce qu'il a fait ? On l'accuse de plusieurs méfaits et il doit être jugé. Tu le trouveras sous bonne garde, à son atelier. Métiochos, tu as dit qu'il était ton collègue ? C'est un homme politique, un allié, et aussi un ami fidèle. Ostracisme. Le mot bannissement est certainement plus familier. Ici, à Athènes, on vote pour déterminer laquelle de deux personnes doit partir. Le vote porte sur Anaxagore, le sophiste, et un autre homme. Un procès pour irrévérence. Mon agent près de l'agora te fournira les détails. Je m'en occupe. Je compte sur ta discrétion. Formidable. Il ne t'a pas officiellement invité, mais c'est tout comme. Enfin, je pense qu'il va quand même consulter Aspasia et demander sa permission. C'est le résultat qui compte. Halt ! Je ne peux pas te laisser passer. Écarte-toi, c'est important. J'ai ordre d'éloigner les gens. Tu pourras voir Phidias après son procès, s'il n'est pas condamné à mort. Phidias est un ami de longue date. Je dois quitter Athènes. Et je ne sais pas si je le reverrai. Oui, eh bien, si tu veux quitter Athènes en vie, tu t'en vas. Et maintenant. Bon. J'ai essayé d'être poli. Passe ton chemin. Je vais te tuer, saleté de Mystios.
Tu as su te montrer. J'ai besoin de bras. Rejoins mon équipage. Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer? Le garde ne laisse passer personne. Du calme, c'est Périclès qui m'envoie. Ah, loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Je suis là pour te faire quitter, Athènes. Alors, il sait pour le complot. Tu parles du procès? D'après ce que j'ai vu, tu n'as aucune chance. Ah. Le peuple m'adore. Je suis Phidias. Mais il y a autre chose. Regarde. Malaka. Ce n'est pas du procès que Périclès veut te protéger. Ce sont des instructions pour te tuer. Qui a écrit ça? Je ne sais plus à qui me fier. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est créer. Dis-moi ce que je dois faire. Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu vas être jugé, la population est contre toi. Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Ah. Je ne t'ai pas dit de te ressaisir. Si, si, où ai-je la tête? Cléon prétend que tu gaspilles l'argent du peuple.
Il est déterminé à lui offrir ta tête. Cléon a parlé de moi? Ça va nuire à Périclès. D'abord l'irrévérence, maintenant le vol. Après tout ce que nous avons fait pour la ville. Vous avez l'air proche, Périclès et toi. C'est notre amour pour Athènes qui nous lie depuis toujours. Et nos différences nous poussent à la grandeur. En cela, c'est une véritable amitié. Très bien, il faut partir. Où faut-il que je te conduise d'après toi? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sériphos, où habite mon ami Terras. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien. S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde! Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses. Retrouve-moi ce soir, nous partirons pour Sériphos. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Tu n'espérais quand même pas t'en tirer après avoir attaqué l'un et l'autre! Approche et bats-toi! Ce monde, il doit y avoir ici de quoi. Oh, bien, tu es là. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je te ferais quitter Athènes. C'est vrai, oui. Ton ami est digne de confiance? Terras et moi, nous sommes amis depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire où nous retrouver. Traîner ici ne nous apporterait que des ennuis. Partons pour Sériphos tant que nous le pouvons. Où Athènes a triomphé. Espérons que le culte nous laissera en paix. Ils vont tirer d'un instant à l'autre. Attention au choc. Tirez sur nous. J'ai besoin d'accès.
Aaron, accrochez-vous! Attends pour dérouler.